Pedro. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la première fois qu'on se rencontre et je trouve ça plutôt cool parce que c'est quand même Pénélope Bagieux, tu vois. Donc nous on devient un petit peu plus legit tout de suite dans le monde de la BD et on est moins des punks à chiens super relous qui parlons de manga et de comics. Et je voulais te rencontrer vraiment parce que j'ai un petit coup de foot pour California Dreamin' que tu as fait avec Gallimard. Du coup, une BD qui s'intéresse à la vie d'Hélène Cohen. La chanteuse des Mamas and Papas, mm-hmm. et l'album porte le nom de cette fameuse chanson que tout le monde connaît par cœur. J'ai hyper honte de ma première question parce que c'est hyper bateau et tout, mais pourquoi et comment, c'était quoi l'inspiration, pourquoi elle? Je sais qu'avec les culottés et tout, tu t'intéresses vachement aux femmes qui ont marqué leur époque et pas de manière super mainstream ou très reconnue, tu vois, aux yeux des gens et tout, mais pourquoi elle et au-delà du personnage, tu vois, enfin, qu'est-ce qui t'a amené vers ça en particulier, quoi? Et ben, alors que, donc comme tout le monde, je connais cette chanson que j'aimais bien, je connaissais 3-4 autres chansons des Mamas and Papas, et en fait... Quand tu écoutes n'importe quelle chanson de ce groupe, ils n'en ont pas fait des millions non plus, ils n'ont fait que quelques albums, mais il y a toujours une voix qu'on entend plus que les autres et qui en fait fait la chanson, parce que même la chanson California Dreamin', si tu y prêtes attention, c'est une balade pop normale, carré particulier, sauf cette deuxième voix en écho qui répond, en harmonique, qui est incroyable. Et en fait, c'est toujours la même voix, parce que c'est toujours cette chanteuse-là, donc c'était deux hommes et deux femmes. Et puis si tu regardes des photos ou des vidéos du groupe, effectivement, elle aussi, tu la vois un peu plus que les autres, puisqu'elle était donc obèse. Donc déjà, ça en fait un personnage assez intriguant. Et puis j'ai regardé 2-3 trucs sur sa vie, et j'ai vu qu'en plus de ça, ses parents avaient un deli à Baltimore, qu'ils ont des sandwichs, qu'ils n'avaient jamais une thune, qu'ils avaient fait faillite plein de fois, qu'elle avait une enfance un peu mouvementée, tout ça. Et du coup, ça m'a donné envie d'imaginer, plus que de raconter, qu'elle avait pu être le chemin pour cette petite fille, donc de parents juifs, vendeurs de sandwichs, petite fille obèse dans une ville un peu glauque, donc Baltimore. Comment est-ce qu'elle est devenue à peine 25 ans une superstar, et... Donc je voulais raconter cette histoire-là en m'arrêtant au moment où elle est devenue connue, c'est-à-dire pas raconter Mama Cass, mais raconter vraiment Hélène Cohen. Et donc en fait l'histoire s'arrête le jour où la chanson devient un tube et voilà, donc on la voit enfant, ado, dans un lycée américain très, très typique, et puis ses débuts et les difficultés qu'elle rencontre pour arriver à ce qu'elle a envie de faire, sachant qu'elle veut entrer dans un groupe où on veut pas d'elle, elle veut être signée par une maison de disques mais qui accepte de la signer que si elle perd du poids, enfin, donc... une vie marrante, quoi. Et puis évidemment, elle est très malheureuse en amour, donc voilà. Je me suis dit, c'est bien. Et c'est pas vexant, je te dis que c'est un peu un best-of des intérêts qu'on peut t'attribuer, c'est-à-dire donner le crédit aux femmes qu'elles méritent, tu vois, et justement faire un album qui va pas prendre les gens par la main avec un féminisme un peu, tu sais. Alors, je vais me faire taper sur la gueule pour dire ça, mais je trouve l'album sain et modeste, en fait, dans le combat qui sert à mener, tu vois. Et en plus, tu habites aux États-Unis depuis un moment maintenant. Mmh. Et donc, du coup, tu mélanges une époque de changement pleine de bière, de drogue, de relations super marrantes entre les gens et vraiment très vivace, parce que bah, c'était une autre époque où les réseaux de communication n'étaient pas tous les mêmes et tout. Les États-Unis, du coup, la musique, et j'ai vraiment, en le lisant en tout cas, en ayant découvert ton œuvre sur le tard en plus, eu l'impression d'un album, tu sais, qui englobe un peu tout, où tu te dis, bah vas-y, je m'arrête 5 minutes, et même au niveau du dessin, où
t'as un style qui a évolué vachement et qui, je trouve, se retrouve entre... c'est pareil, c'est pas vexant si je dis qu'il y a du Pixar dans le trait de California Dreaming. On peut pas faire autrement quand on regarde tout le temps de Pixar. Et du coup, tu l'as ressenti comme ça en le travaillant aussi ou... Je sais pas. En fait, j'ai travaillé tellement longtemps dessus que c'est... j'ai forcément absorbé un peu plein de choses qui se passaient. Après, curieusement, si j'étais pas à New York vraiment plus que ça quand je l'ai fait, j'y suis allée deux fois pour le livre, pour faire un peu des dessins, mais en fait, pas tant parce que... je trouve que faire du vrai doc, c'est pas forcément super intéressant. Enfin, c'est pas super intéressant. Dans les BD que je lis, c'est parfois le cas et je trouve ça très bien, mais moi ça correspond pas trop ni à mon dessin ni à ce que je raconte. Donc je voulais pas aller faire du réalisme d'une vraie rue et tout ça. C'est dans le village, donc c'est dans Greenwich. Donc de toute façon, c'est un quartier qui a changé. Parce que maintenant, il y a plutôt des boutiques APC que des disquaires et des cafés où les gens prennent de la drogue. Donc il fallait de toute façon que je l'invente un peu. Donc, oui, c'est sûr que ça m'a un peu, ça m'a inspiré, mais plus, je pense, inconsciemment. Je sais plus trop vraiment quelle était ta question. Ma question, c'était sur l'aspect best-of des choses, sur tout l'intérêt, tu vois, d'avoir une héroïne en plus qui est une vraie femme qui a existé, qui a fait des trucs assez chambés et tout, forte dans une époque, je disais, qui est hyper, tu vois. Ah bah c'est sûr que quitte à bosser 2 ans sur un livre, autant se faire plaisir, donc que ce soit dans les lieux où ça se passe, dans la musique, dans... Oui, j'ai plutôt mis des choses que j'aime bien. Et tu disais que l'histoire, tu l'as... Enfin, il y a eu une part d'imagination dans ce que tu as voulu raconter de sa vie, et pourtant il y a quand même des trucs super super précis et qui sont vrais, parce que pour le coup j'ai fait mes recherches à côté, j'ai quand même essayé de très bien faire mon travail, tu vois, et c'était même un peu confondant de se dire ah c'est marrant parce que c'est super documenté à un degré, tu vois, les relations avec la maison de disques et tout ça, c'est des trucs que tu retrouves quand tu fais des recherches sur elle à côté, quoi. En fait, tu t'es appuyé ça sert sur de, un... ça sert de base, c'est difficile je trouve d'écrire à partir de rien. Et à la fois l'écueil inverse, je pense, c'est de vraiment faire de la bio pure sans aucune interprétation et aucun ajout d'auteur. Donc en fait, on te donne des éléments factuels. On te dit, ben voilà, elle est née là, effectivement. Elle a changé de maison de disque. On sait que c'est parce que voilà, elle avait un manager qui l'a. Mais si tu veux, les pièces manquantes du puzzle, ce que toi tu dois broder dans les vides entre ce que t'as, c'est la personne qu'elle était, parce que ça, personne va te dire, elle était très comme ça. Ce jour-là, elle a pleuré. Bon, ça, en fait. Il faut que tu aies un personnage qui est suffisamment consistant dans ta tête pour qu'après, sans aucune difficulté, tu puisses imaginer comment il a vécu les situations qui sont vraiment produites. Donc, disons que effectivement, les éléments biographiques de type les dates, à peu près les formations de ces groupes, et encore, j'ai pris des libertés quand ça a arrangé mon histoire, des raccourcis, parce que, effectivement, c'est une époque où ils changeaient de formation, de groupe 50 fois par semaine, et tout le monde était le guitariste de tout le monde, donc... Moi, j'avais besoin que ce soit un peu plus schématique, mais j'ai pas tant pris de liberté que ça. Mais après, effectivement, il faut broder pour passer de la biographie froide à finalement, en fait, on s'en fout si c'est vrai ou pas. On a été avec un personnage pendant X pages et à la fin, quand on le referme, on a l'impression de la connaître. Donc, moi, quand je lis, c'est ce qui m'intéresse. Donc, c'est ce que j'essaie de rendre aussi. Si tu lis rarement une bio pour apprendre des choses, en fait. Sinon, tu lis une fiche wiki, tu vois, c'est pas... Donc, je me suis dit, non, c'est... Mon défi, c'était de me dire, j'aimerais bien qu'à la fin, on se dise, j'aurais vraiment trop aimé être sa pote, plutôt, tu vois, plutôt que de se dire, ah, j'ai vraiment appris plein de choses sur une chanteuse qui finalement est pas non plus. Moi, j'adore Mama Cass, mais il y a quand même aussi une raison si les gens la connaissent pas tant que ça, c'est que c'est pas non plus, c'est pas Janis Joplin, tu vois, elle a pas une carrière, elle a eu une fin de carrière un peu difficile aussi parce qu'après elle était en solo et elle avait vraiment beaucoup beaucoup de problèmes de drogue quand même, donc c'est un peu la Amy Winehouse de l'époque, tous ses shows étaient annulés tout le temps, enfin c'était un peu chaotique et puis bon surtout elle est morte hyper jeune, donc elle a eu une toute petite carrière en fait, mais je pense que c'était quelqu'un de très attachant. Je pensais lancer une idée de collection avec ma prochaine question, mais tu viens de me parler de Amy Winehouse et Janis Joplin. T'aimerais décliner, parce qu'évidemment à chaque fois t'as une approche quand même un peu entière sur le projet, mais t'aimerais en faire d'autres, des projets de chanteuses comme ça qui ont marqué leur époque dans leur style et... Eh ben je non. Pense à Skunk Anansie par exemple, tu vois, aller complètement... En fait, c'est hyper tentant parce que, comme tout le monde, dès que tu tombes dans le vortex des biographies, tu pourrais en lire toute ta vie et t'as plus envie de raconter que ça. Mais en fait, c'est aussi pour ça que je fais les culottés, c'est pour me débarrasser de mes bios parce qu'à un moment, il faut que j'arrive à refaire de la fiction parce que c'est pas possible, tu découvres l'existence de quelqu'un, t'as envie d'en parler à tout le monde, c'est vraiment trop bien, mais il faut arrêter un moment.
sinon je vais faire que ça. Donc, après, t'as l'avantage d'être prescriptrice dans ce domaine-là, et en plus d'être super écoutée avec un relais, tu vois, Le Monde par exemple, ouais, qui est quand même super noble, et où justement ça se fait aussi par... Je pense que les gens qui te lisent là-dessus sont assidus, tu vois, et qu'ils soient des prétendus féministes hardcore ou des mecs justement qui vont détester les féministes, tout le monde va s'y retrouver parce que c'est documenté, parce que justement il y a une démarche passionnée en plus. Mais c'est surtout que je trouve que c'est... En fait, t'as pas besoin de vouloir absolument donner une couleur féministe à ton récit quand tu racontes l'histoire de femmes qui ont été très fortes, qui ont fait vraiment ce qu'elles voulaient, qui étaient hyper déterminées. C'est pas la peine d'injecter une caution politique dedans. Donc ça... Tu peux emmener tout le monde, en fait, je pense, quand tu racontes ça. Mais de la même manière que ça pourrait aussi être des récits qui parlent d'hommes. Simplement, vu que ce qui m'intéressait, au moins pour les culottés, puis même pour Hélène, c'est la... Le truc qui me fascine toujours, c'est décider de changer de destin par rapport à ce qui était prévu pour toi. En fait, j'aime bien les gens qui ont un destin plan B, tu vois. Et mine de rien, les femmes rencontrent plus d'adversité. Donc elles ont forcément, quelle que soit l'époque, toujours été obligées de se défoncer deux fois plus pour faire un truc, que ce soit parce qu'elles sont dans des sociétés où les femmes ont le droit de rien faire du tout, ou alors parce qu'on les juge sur leur physique un peu vite, comme Hélène Cohen, tu vois. Et je trouve que ça fait toujours des portraits plus... avec des tempéraments plus déterminés, parce qu'il faut bien, en fait, parce qu'elles n'ont pas le choix. Donc, mais c'est vrai que on pourrait... J'en vois passer, j'en lis tout le temps des histoires où je me dis, ah, il faut vraiment, vraiment, vraiment raconter ça. C'est terrible. Dès que je vois un doc en ce moment, trop de docs sur Netflix, je suis trop souvent à regarder des trucs. Avec le catalogue US, en plus, ça va être encore pire. J'en n'en sors plus, moi, je regarde que ça. Donc voilà. Et tu disais tout à l'heure vouloir revenir à la fiction, c'est quoi la suite du coup ? Ou le présent ou le... Et ben, là, en ce moment, je travaille sur une BD avec un scénariste donc, qui s'appelle Timothée de Fombelle, qui est un auteur de littérature qui fait des livres que j'adore. Et donc, il a écrit un scénario d'un polar qui se passe à New York, aussi dans les années 50, qui se passe sur les toits de New York. C'est super. Et voilà. Donc, ça, c'est vraiment de la fiction. Et plus, c'est même pas moi qui fais l'histoire. Donc, Et ça sort quand ? Chez qui ? Ce sera chez Gallimard quand je l'aurai fini. D'accord. Voilà. Donc, je vais pas me mettre la pression parce qu'ils me la mettent suffisamment. Mais normalement, cette année. Ok. Et ton départ à New York était lié à cet album-là ou... Parce que du coup, New York, c'est quelque chose de définitif ? Non, pas du tout. Non, en fait, j'y suis allée pour la promo de... J'ai une BD qui est sortie au printemps à New York. Ok. Et en fait, c'était bien pour la promo. Si je pouvais y être, c'était encore mieux. Et puis, moi, je peux travailler de n'importe où, en fait, vu que j'ai besoin d'un Wi-Fi pour travailler, c'est tout. Donc, je me suis dit, allons-y quelques mois. Et puis, de fil en aiguille, en fait, California Dreaming va sortir là-bas aussi cette année. Donc tant qu'à faire, je reste au moins pour la sortie parce que c'est vraiment un pays où tu peux... C'est marrant, on en parlait hier avec d'autres auteurs, où quand tu veux faire de la promo, il faut vraiment limite que tu ailles toi-même dans les librairies, voir tous les libraires, un par un, et leur serrer la main. Et tu peux pas avoir un truc... C'est tellement vaste, en fait, comme pays. Et c'est tellement plusieurs pays en un, parce que moi encore, je suis sur la côte Est, donc la côte Ouest, je n'existe même pas, tu vois. Donc il faut que tu... Vraiment que tu sois sur le terrain, quoi. Et comme je peux me permettre de le faire, parce que j'ai le temps, et que voilà, et que j'ai pas d'obligation physique en France, et ben, en tant qu'affaire, je le fais, mais voilà, c'est plus pour accompagner mes livres, et puis ben, un peu aussi parce que c'est cool, du coup. Et la BD à New York, ça t'a parlé de ce que tu peux trouver de traduit de chez nous, ou du comics, ouais, ou du comics indé, ou... Bah du coup, j'avais fait des Comic-Con. Ouais. Donc, la New York Comic-Con, du coup. Ouais, ce n'est pas Angoulême, hein, c'est vraiment c'est un autre délire. Et encore, c'est même pas San Diego. Ouais, c'est marrant parce que vraiment les auteurs américains et les éditeurs américains, ils ont une vision de la BD européenne et surtout française qui est vraiment... Enfin, ils sont... ils se disent, c'est la comic mecca, tu vois. Pour eux, ils disent, oh là là, la France, oh, c'est merveilleux parce que là-bas, tout le monde est auteur. Tout le monde lit de la BD, ils pensent que les Français se trimballent dans la rue en lisant des BD tout le temps et que tous les auteurs gagnent méga bien leur vie et que tout le monde peut être édité, que c'est génial et que surtout, t'as aucune contrainte de propos, tu vois. Tu dis, demain, si j'habitais en France, je ferais une grosse BD sur les sujets qui m'intéressent vraiment et je trouverais forcément un éditeur qui trouverait rien à redire et les gens adoreraient, j'aurais la reconnaissance des médias et tout. Alors tu dis, ah, ça va vous faire un choc. Et donc, je leur ai dit, mais vous savez, l'an dernier, les auteurs de BD, ils ont fait une marche pour dénoncer la précarité tellement c'est la merde d'être un auteur en France. Alors, tu sais, ils avaient vraiment le cœur brisé, quoi. Ils disaient, mais non, c'est pas possible, c'est la France, c'est Angoulême et tout. Et en fait, ils rêvent tous de ça, quoi. Parce qu'en fait, comme pour eux, c'est vraiment une industrie, quand tu dessines, bah, tu sais que tu vas
bosser sur une série de comics, quoi, en fait. Et soit tu vas être chez un gros et à peu près correctement payé, soit même pas. Mais la graphic novel, c'est il y a 5 personnes qui font de la graphic novel et qui en vivent. Plus maintenant, du coup, mais qui en vivent. Avec Image Comics et tu ouais, vois, mais et... en fait, ils sont quand même. Ils ont et surtout, ils ont aucune reconnaissance parce que dans l'imaginaire collectif de tous les Américains. C'est les... Oui, la BD, c'est Marvel. C'est les gros geeks dans les comic stores, et voilà. Et du coup, ils ont aucune reconnaissance d'auteur. Et ils pensent vraiment qu'en France... alors, c'est vrai qu'en France, c'est un peu plus le cas, mais... Et du coup, en fait, ils comprenaient pas du tout ce que je foutais là. Ils disaient, mais pourquoi tu restes pas dans ton pays où c'est beaucoup mieux? J'ai dit, bah, oui, on peut y voir ça comme ça. Et à l'inverse, tu bosserais pour le marché américain? Bah non, en fait, j'ai mes trades. Ouais. Donc, où parfois il y a des choses à réadapter parce que c'est quand même pas la même chose. Mais plus pour l'approche artistique en fait, tu vois, d'un autre format, de bosser avec un auteur peut-être anglophone. Non, j'avoue que j'ai pas fait ça. Ouais. Non, il faudrait que je fasse make the most of it et pendant que je suis là-bas, je fasse plein de trucs, mais en fait. Avec un training montage et tout, tu vois, ouais. Genre, tu vas à la conquête de l'industrie américaine. Ouais, non, mais c'est vraiment ça. Et en plus de ça, c'est vraiment comme ça que tout le monde l'a vécu autour de moi, tu vois, genre, alors, tu vas te faire des BD américaines? Ah non, pas du tout. Non, en fait, je suis vraiment pas assez ballsy, je pense. Mais non, mais c'est marrant de même, tu vois, de voir la perception de tes propres livres. Par exemple, Cadavre Exquis, donc, quand il est sorti là-bas. Pour moi, c'est, enfin, tu vois, il n'y a pas de public type. Mm-hmm. Mais ils m'ont dit, bah déjà, si, c'est forcément des adultes, parce que c'est une BD pour adultes. Mm-hmm. Alors je dis, bah non, pas nécessairement. Ils me disent, bah si, il y a une scène où on voit des seins. Donc déjà, ouais, de base, c'est terminé. On le mettra jamais en jeune adulte. C'est du adulte parce qu'on voit, un téton, quoi. Ah, tu dis ok, d'accord. Donc les guns, c'est tout public, mais les seins, c'est adulte. Donc voilà, c'est la joie de l'Amérique. Et aussi, dès qu'il y a des gros mots, tout de suite, c'est plus possible que ce soit pour les jeunes. Enfin, bon. Compliqué. Ok, donc vive la France. Ah bah oui, bah oui, oui. Merci Pénélope. Mais et merci. Bon Angoulême, du coup, et bon courage pour la valise, la brosse à dents et merci. Tout ce qui s'ensuit. Merci. Merci. Such a